petit bug de la play, donc obligé de la relancer. C'est reparti. Donc on va voir si on peut faire l'émission. Donc, voilà, tac. Donc on avait. Ok. Mais ils me la mettent tout à chaque fois. Ils me la mettent à perpète quoi. Ah, y a des putains de voitures quand même. Heureux les gens. Un peu de peinture, allez, on va suivre la mission. Putain, je pourrais pas remonter là, c'est pas possible. Le chemin, il va bien remettre quelque part ou non.
Donc je m'arrête tout de suite ici, voilà. Pour aller revendre tout ce que j'ai trouvé dans les voitures et tout. Ça, bon, ça. Un groupe de hackers de San Francisco a mis au jour les secrets religieux de New Dawn. DedSec a publié des images vidéo du temple de New Dawn, démontrant que ces supposés artefacts anciens étaient en fait des faux que l'organisation voulait faire passer pour des tablettes antiques. Des membres de DedSec sont parvenus à infiltrer le complexe malgré la haute surveillance et ont réussi à filmer les méthodes de contrôle que l'organisation exerce sur ses membres, notamment sur la star de cinéma, Jimmy Siska. New Dawn a refusé de répondre à nos questions. Donc ce dessus. Il faut trouver un endroit où monter. Ouais, c'est qu'il doit y avoir un espèce de chariot élévateur. Voilà, il est là-bas. Voilà, j'ai trop l'habitude des touches de GTA encore. Ah, ils sont sérieux? T'es où, Feignasse? Ici, et ça fait un moment, Feignasse. Au moins, moi, je me suis pas gouré d'immeuble. Oh. Oh, putain. Merci pour le coup de main. Avant, j'étais dans un groupe d'artistes de rue. J'y ai appris à voir la ville d'une autre manière, à l'appréhender différemment. Mais je suis pas restée longtemps. Les intéressait plus de vendre des t-shirts que de faire passer des messages. Tu crois que ça va le faire? Ouais, ouais. Pas de problème. Mais... pas mal, franchement. Ouais, je sais. Je te donnerai des coins sympas pour commencer. Vas-y, impressionne-moi.
ils sont loin quand même. De là et voilà. Où le truc, ok, il est là-bas. Il n'y a pas une caméra plus haute là-bas, mais. Est-ce qu'elle va y aller? Hors de portée. Ah, mais il y a une trappe. Ici. Oh putain, mais c'est quoi ce délire? Alors. Je vais rentrer par l'intérieur. Et pour rentrer à l'intérieur, faut que je rentre par là. C'est seul d'être sec, je peux le faire. Mais pour ça, tac. Le fil rouge, il est là. Quelque part. Oh putain. Faut que je suive le tuyau. Voilà. Si,
ici. Peut-être tu trouves de ces trucs. Hop. Ma journée. Tu vas où comme ça? Ok, donc c'est là-haut. Ouais, ok. J'en suis sûr, c'est ça. Le Scoutix. Alors, le Scoutix, il me dit quoi? Tac. Oh, on se calme, toi. Ah, pause. Là, il l'a pas pris. Il l'a pas pris. Oh, c'est pas vrai. Allez.
Je bosse en même temps, t'inquiète. Alors, pour rentrer là-haut, je vais aller chercher. J'ai vu qu'il y avait un truc de chantier. Est-ce que là je pourrais monter? Ah ouais, non. Ça va faire grimper l'assurance. Je peux pas monter. Mais là il y a les panneaux. Donc il est là. Salut aux nouveaux arrivants sur le live, bienvenue à vous, n'hésitez pas à participer au chat pour ça. Encore ? Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est la fluidité, quoi. C'est la fluidité du truc, c'est abusé. Après, Allô, on a besoin d'une ambulance ici. Vite. Ah.
Alors, tac, tac. Yo Alison, comment tu vas? Ça me fait rire parce que j'en ai à peine de te poser la question sur Facebook. Salut Sindragirl972, bienvenue à toi. Comment tu vas? Parce que je vois que c'est pas la première fois que tu viens. Bah j'ai appelé une autre voiture parce que celle-là elle fait un peu pitié. Encore la tête dans le cul, je peux réveiller juste. Ah putain, mais t'es une marmotte toi en fait. Le truc il est là. Moi ça va tranquille, Sindra. Quand je dis ça, ça me fait penser à Fort Boyard, quoi. C'était pas Syndra? Non, c'était pas Syndra. Peut-être qui? Non, je sais plus. Si, je crois que c'était Syndra. Qu'est-ce que j'ai comme nouvelle voiture là-dedans? Ah, la limousine. Ouais, parce que tu t'es couché, quoi. Bah, je t'ai vu connecter après, mais... t'as pas daigné me répondre, quoi. Pas beaucoup. Non, c'est Félindra. Ouais, merci. Excuse-moi. Excuse-moi, Sindra. Mais ça aurait pu coller. Tac. Donc, on va essayer avec une nouvelle peinture. Tiens, on va essayer celle-là. Avec une peinture... Vous voulez laquelle de peinture? J'ai déjà testé celle-là. Celle-là. Celle-là, j'ai testé celle-là aussi. Dites-moi quelle peinture vous voulez. Vous me dites le chiffre de la peinture que vous voulez, sachant que le premier est là, et le dernier est là, et que je pars comme ça. Le 2, le 3, le 4, le 5. Celle que tu veux. Allez, on va essayer celle-là avec la tête de mort, alors. Attends, j'attends. Orange, blanc, je sais pas. Orange, blanc, je sais pas. Donc celle-là? Bon, bah, c'est celle-là que tu parles, Addison. Ok, c'est parti. Allez. Oui, ils me l'ont mis où? Allô, j'ai appelé une voiture. Véhicule la carte, on recommence, sportive. Hey, mais ils m'ont livré, mais où, je sais pas. Elles font taxi celle-là. Quand je les prends, elles passent pas. Driver dans lequel il incarne Devon Von Devon, un ex-pilote de course qui prend le volant d'une voiture high-tech pour retrouver le meurtrier de son meilleur ami. Jimmy, on est trop content de vous recevoir parmi nous. Est-ce que Cyber Driver va vous remettre sur la route du succès? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, comme vous dites, ouais. En tout cas, le film devrait satisfaire tous les fans d'action. Selon vous, quelles sont les principales qualités de Devon Von Devon? C'est quelqu'un de très déterminé, qui cherche coûte que coûte à résoudre les problèmes. Il va dans une seule direction, vers l'avant. La voiture du soleil levant. Donc, j'ai fait celle-là. On va aller faire les deux là. J'ai mis ta mère. Ouais, stream. Ouais, c'est ce que je voulais dire, mais bon, j'ai dit après. Après voilà, tu vas te vexer parce que je vais te dire que t'as des goûts de merde, mais je voulais le dire, ouais.
T'as pas de goût, Allison, franchement, tu me déçois. Non, ouais, maintenant j'ai dit turbo, c'est vrai. Bah ouais, mais c'est ça, c'est que en fait t'as juste un petit aperçu et tu sais pas trop ce que ça donne sur la voiture, quoi, tu vois. Oh putain! Ouh! Bah j'ai perdu la portière, je crois. Ah, effectivement, j'ai perdu la portière et le capot. Et salut aux nouveaux arrivants, n'hésitez pas à participer au chat. Il n'y a pas que Allison et Syndra. Ouais, je crois que c'est Syndra. Syndra Girl qui parle. Ça c'est un truc, ça me fait délirer ça. La prochaine fois tu prends la tête de mort. Ça je te jure, ça me fait halluciner les trucs là. Franchement c'est vachement bien fait les écrits. Salut Kuja FF978, bienvenue à toi. Ouais bah ouais, mais t'inquiète, il n'y a pas de mal Allison. Je vous ai demandé, après voilà, je peux pas. Moi, ça me permet de voir que celle-là, je la prendrai pas, quoi. Après, j'ai des amis à moi qui l'ont. Moi, ils m'ont dit qu'il y avait des voitures uniques cachées dans toute la ville, mais je les ai pas encore trouvées. Je n'ai pas encore trouvé une seule. J'ai une invitation. Mort de rire, la honte pour moi. Ouais, exactement. C'est qui l'invite ? Pourquoi je reçois jamais les invités? Ah, c'est Christo. C'est le portugais. J'attends son invitation. C'est quoi, c'est une invitation de Christo Touga? Ouais, mais... C'est quoi? Connexion au serveur impossible. Ah, bon. Alors, est-ce qu'il y a un truc pour monter? Ah, mais... Il m'invite pour... Bah ça y est, elle est vexée. Voilà, je vous l'avais dit qu'elle allait se vexer. C'était sûr. Désolé. Donc la peinture, elle est là-haut. Ah, il doit bien y avoir un. Oh le toutou, bonjour le toutou. Caressez le toutou. Donc ça, si vous le faites 10 fois, vous obtenez un trophée, quoi. Alors, je sais pas si c'est 10, si vous faites 10 fois le même, ça marche. Ou s'il faut faire 10 toutous différents. Alors, c'est là. Mais, j'ai rien pour monter. Pour l'instant, j'ai rien trouvé. Je suis en train de chercher les alentours. Salut, Skyfar 473, bienvenue à toi. Ouais, c'est le noodle là, c'est le panneau noodle, mais je monte comment? Doucement, gentil toutou. Il est où le panneau? Il est où? Oh là, bah moi je pars en couille ce matin, c'est pas possible. Y a pas un engin de chantier. Ils sont sérieux. Salut Bastien 83190, bienvenue à toi. Alors, allez, je dois bien avoir un engin de chantier quelque part, c'est obligé. T'as vu où qu'il est le truc, il faut bien que je monte. Elle a dit
peut pas rentrer dans le bâtiment aussi. GG pour ton level 7, Allison. Ah, attends, je vais faire le tour. Bah, j'espère que tu vas. Donc ça, c'est, on va pas dire que c'est une Ferrari, hein. Ah, voilà. Mais je pense pas que ça va monter si haut. Et ouais, il manque de la puissance. Hein. Et il n'y a pas une nacelle. Franchement, c'est qui le con qui s'est enlevé avec sa voiture, hein. Après, c'est garé vraiment n'importe où. Ah, mais peut-être par là et je monte après. Ouais, ouais peut-être. Non, c'est pas le même bâtiment. Déjà, tu t'en vas. À peine arrivé, tu t'en vas. Bah, bravo. Ouais, bah ouais, la chose. Ouais, non, mais c'est pas là. Hein. Parc. Il y a un parking. Pas de soucis. Comment je peux monter là-haut, hein. Moi, pour moi, il me faut une nacelle. Ah mais ça va me stresser, je vais la chercher. Hein. Donc, je vais aller faire l'autre, si j'ai une nacelle, je reviendrai avec la nacelle. Ah mais moi ce que j'adore c'est les guides des voitures, hein. c'est hallucinant. Ça m'en va réserver ça. Déjà. Voilà. Alors. On va peut-être monter. Hein.
je suis sûr qu'il n'y a rien qui gêne. Voilà, moi c'est ça que j'aime bien aussi dans le jeu. Ah, elle se déplace. Okay. Je m'en fous, je sais pas bien. Ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est que des fois il faut réfléchir pour. Pour pouvoir trouver comment faire le truc tout con, mais. Ah, je peux plus remonter. Hop là. Je vais aller chercher ma nacelle. Ah oui, là vous avez le temps, parce que vu à la vitesse que j'avance, vous avez le temps de prendre une photo, les gens. Salut Momo, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va plutôt pas mal, je m'amuse plutôt bien. Ah mais ça va pas être assez haut encore. Et si je le mets là... Ah ouais. Il y a un truc. Ici ça passe. Je pense pas que... Non, non, là, c'est... Ouais, si, c'est une mission secondaire, mais... C'est une mission secondaire, mais au moins, elle est faite entièrement, et on n'en parle plus. Voilà, bon. On va voir. Voilà. Donc, c'est verrouillé, ok, et le fil est là-haut. Ah ouais, mais le fil est là-haut. Donc,
Est-ce que... Merde. Désolé, vieux. Ah ah. Ça veut dire que le petit peut passer. Mais est-ce qu'il y a un truc? Je vais essayer. Yahoo! Voilà. Donc ça c'est fait, je coûte ampoule 130 mètres, ampoule de node à 130 mètres, donc de nodal. Donc on va aller la trouver, l'ampoule de nodal, donc elle doit être par là je pense. Là il y a un parking, donc ça, je pense qu'elle est autour de ce bâtiment. Putain, il y en avait un là, il y en avait une là, des nacelles quoi. Putain, je me suis fait chier pour rien en fait. L'ampoule de nodal. Nodal c'est ici, donc l'ampoule doit être par là-dedans. Vu que le parc il est là. Voilà, elle est là. Société cotée en bourse dont les émissions de carbone sont neutres. Je vous assure que c'est sans danger. Vos données resteront confidentielles. Je n'ai pas pu terminer l'analyse. Pourquoi tu veux m'analyser toi? Mes paramètres sont en mode groovy. Veuillez m'excuser, mais il faut que je bouge. Alors, c'est laquelle aussi l'ampoule? Ouais, comme tu veux.
certifié détecté. Les installations. Voilà. Donc ça c'est bon. Magnifique. Bonjour, humain. Vous avez été tiré au sort. Analyse. Alors ça c'est quelque chose. Bonjour. Au revoir. Donc, véhicule, tac. Donc, je crois que j'ai des bolides de débloquer. J'ai le kart. J'ai la grosse cylindrée. Une peinture là. Plus de la moitié de nos besoins en énergie sont couverts par des sources renouvelables. Salut aux nouveaux arrivants. Alors. Ah, elle monte plus haut, c'est pas vrai. Ah, mes souhaits. Oh, Matmix! Le retour de Matmix. Quand tu vas, mon poulet. Je te le dis, c'est des putains de conneries de classe internationale. Je reviens. Je suis pas d'accord, mais là, je comprends pas. T'entends ça?
Moi ça va tranquille, tranquille, Matmix. Alors, là je suis bloqué. Le seul truc qui monte pas, c'est haut. Et je pense pas que je peux monter. Il est pile poil à la hauteur là, donc ça doit être ici. Ah, attention. Il va pouvoir monter par ici. Donc ça c'est fait. Maintenant pour redescendre. C'est la peinture qui est haute. Toi, tu me cherches un peu trop tard. Alors, je vois pas qu'il est le sac, mais c'est pas grave. Ah, mais non, il est pas haut. Bon après je lance une mission parce que autrement après ça va être chiant. Oh pauvre toutou. Voilà. C'est placé. Peinture, on va aller voir c'est laquelle. Alors la nouvelle elle est, voilà, c'est la peinture de Della. Comment tu le trouves? Ouais, je le prendrai mais la flemme de payer. Bah si tu le payes pas tu l'auras pas Matmix, mais franchement par rapport au premier il est top, franchement j'adore la fluidité des mouvements et tout. La personnalisation de toutes tes voitures, la personnalisation de ton personnage, tout ce que tu peux faire, franchement,
Moi, je te dis franchement, je pense que GTA a du souci à se faire parce que c'est un, si tu veux, c'est un GTA mais largement amélioré quoi. Tu peux tout faire. Alors, mission. Donc après, c'est toujours le même. Hop, on va faire. On va faire les peintures. Comme ça, on termine la mission secondaire. Alors. Peinture la plus proche. Elle est là. Ah ouais, non mais franchement, ouais, je te jure que. Voilà. Bon, après. Après, voilà, c'est vrai qu'il est toujours sur le même principe de piratage, machin. Et tout, comme le premier. Mais. Voilà, regarde, là tu vois la personne. Bon, celle-là, tu peux pas la personnaliser comme voiture parce que voilà, elle est. On va dire, c'est une voiture unique. Mais après. Après, c'est vrai que voilà, tu as des magasins, par exemple des magasins de vêtements, tu peux y aller, tous les magasins seront différents quoi. Salut Pérez, comment tu vas? Tous les magasins que tu vas faire, les que ça soit magasin, kiosque, etc., tout sera différent. Tu vois, c'est pas comme dans GTA où que tous les magasins ils se ressemblent. C'est vraiment top quoi. Ah bah ouais. Alors, il est là, il est là-haut, enculé. Enculator, donc on va chercher après niveau son du véhicule. Ah bah il y a l'échafaudage là, je pense que je peux monter par l'échafaudage. Ah, t'as fait cette erreur. T'as fait l'erreur de prendre la pro. Donc il y a un échafaudage, il me faut juste un engin pour monter. Allez. Je peux prendre quoi? Il y a un engin de chantier par là. Et Matmix, tant que t'es là, j'aurais besoin, tu vois, de changer la liste des modos actuels, etc. En enlever quelques-uns parce que ils sont plus présents et que voilà, il faut que je remette à jour. Est-ce que tu sais où je peux les trouver sur Wizbot parce que ça a changé? Ouais, mais le truc qui se passe, Pérez, moi je suis d'accord, ils te disent qu'elle va streamer, que tu vas pouvoir le faire en 1080p 60 fps, mais c'est pas vrai. En fait c'est une big carotte. J'ai trouvé un truc qui vient d'une chaîne de jeux vidéo et elle te streamera jamais en 1080p. Après voilà. Slash mod. D'accord. Mais tu pouvais pas le voir comment? Tu pouvais pas le voir sur Wizbot ou des trucs comme ça, le modifier directement par Wizbot? Là, je croyais. Je croyais que tu pouvais le. Alors. Pour monter là-haut, maintenant, c'est. Il va bien y avoir un truc. Donc, la façon de toute manière, il y a. Ah, bah voilà. Il est où le terminal parfait? Bah, il est en haut.
parce que... Salut Destro 972, bienvenue à toi. Mon Wizbot à l'épée. Ouais, bah ouais, ouais, parce que tu as mis ton Wizbot en tant que modérateur. Bon bah, parce que... Non, tu mets modo avec un S. Pour avoir la liste. Non, mais quand tu mets des modos dans ton Wizbot, c'est différent. Les modos peuvent faire que les commandes Wizbot ou ban, etc., etc. Donc le peinture, elle est en dessous. Voilà. Alors.